Team Pika, j'espère que vous allez bien les potes, en tout cas moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. On va faire quelque chose de particulier, quelque chose d'incroyable. On va essayer de battre un record du monde. Est-ce que vous connaissez, ou vous devez sûrement connaître, mais est-ce que vous avez déjà essayé de faire des bulles avec du savon, tout simplement? Non, parce que moi c'est quelque chose que je faisais régulièrement quand j'étais petit, et aujourd'hui je le fais toujours. Et vous savez, vous avez votre petit liquide de savon, ensuite vous trempez comme ça votre truc, et vous soufflez, et des magnifiques bulles sortaient. Et bien aujourd'hui les gars, on va essayer de faire ça avec un petit record. Essayer de faire la plus grosse bulle en savon du monde. Ouais, c'est assez fou ouais. Pour ça je vais utiliser plusieurs instruments. Je vais utiliser la paille. Je vais prendre ma petite paille, je vais souffler dedans et ça fera des bulles. En deuxième, je vais utiliser les gars une bouteille d'eau que je vais découper en deux pour essayer de faire un... Voilà, vous m'avez compris. Et vous allez voir, ça va être vraiment super contrôlé. On va prendre un mètre, on va mesurer notre bulle. Faut pas qu'elle éclate, faut qu'elle dure plus de 5 secondes vivante. Si elle éclate, ben elle meurt et on a perdu tout simplement. Voilà quoi. Donc c'est parti, on va préparer notre petite mixture avec du savon. On va prendre de l'eau du robinet. Et on est parti. Let's go baby. Du coup, regardez. L'eau qui coule de source, c'est magnifique. Je vais prendre un petit bol. Étape numéro 2, le savon. On va prendre du savon. On va en mettre un petit peu. Voilà, mais vraiment un petit peu. Vraiment un petit peu. Faut qu'un petit peu que ça bulle. Un petit peu. Vraiment un petit peu. Un petit peu, un petit peu là. Eh, un petit peu là. Ensuite, on va mettre de l'eau. Maintenant, le truc le plus important, le mélange. Et on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Du coup les potes, maintenant qu'on a notre savon, qu'on a notre paille et qu'on a notre bouteille, on va pouvoir passer à la compétition. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire, est-ce que vous avez déjà fait des bulles en savon? Oui ou non? Si elles étaient grosses ou petites? J'attends tout ça en commentaire. Bon, et du coup on va ouvrir la table magique les gars, la super table cachée. Ta 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 ta. Voilà, ça c'est bien. Ok les gars, on est parti. Du coup, voici notre petite mixture qui est prête. Notre paille, notre bouteille. Qu'on va essayer de faire déjà, c'est une bulle qui peut voler. Vous savez, vous faites la bulle en l'air, ensuite elle se détache. Après elle vole. Et ensuite nous ferons une bulle les gars sur une table. Donc sur cette table. Où c'est qu'elle va devoir toucher la table et grossir de plus en plus jusqu'à devenir énorme. Et vide, puisqu'elle sera vide. Du coup, je vous donne une technique si jamais vous faites des bulles. Quand vous prenez votre paille comme ça, découpez-la un petit peu. Ça, c'est une petite technique des familles, petite astuce de grand-mère, comme on dit. Voilà, jusqu'à ce que ça fasse ceci. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Du coup, on va faire notre grosse bulle, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? On va tremper notre petite paille dans notre mixture. On va la sortir, let's go, baby. Ok, d'accord. J'avais plus de souffle, j'arrivais plus à l'agrandir parce que j'avais plus de souffle du tout. Pour une première bulle, c'était vraiment énorme. La deuxième, let's go. Écoutez, celle-là, elle était aussi fantastique. Elle était encore plus énorme que l'autre. J'en suis sûr qu'on peut faire un truc encore plus énorme. Ce qu'il faudrait, c'est que j'agrandisse mes petits trucs là. Là, les gars, attention, ça va être de la bulle. Là, vous allez jamais voir une bulle aussi grosse de votre vie. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, non. Let's go! Super bien parti en plus les potes. Attendez, je vais essayer d'en faire une juste devant vous. Let's go. Ma
tête. Oh, vous avez vu ça, les potes? Maintenant, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une grosse bulle sur la table. Alors, regardez ça, les gars. Ce qu'il faut faire en tout premier, c'est bien sûr un petit peu renverser de liquide sur la table. Oh putain, merde, ça tombe par terre. Il faut étaler un peu tout le savon. Voilà, là, ça a l'air pas trop mal. Alors, attention, attention, c'est parti, let's go, baby. Oh merde, elle a éclaté. Ce qu'on va essayer là, regardez, c'est de découper cette bouteille, de faire pareil qu'avec la paille. Là, normalement, les gars, ça va faire une bulle, mais énorme. Incroyable. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous aura donné envie de faire des bulles. Et pourquoi pas m'envoyer des photos sur Twitter ou sur Instagram si jamais vous faites des grosses bulles énormes. Mon Twitter, mon Instagram s'affiche quelque part par là ou sinon dans la description, les potes. Je compte sur vous. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui s'appelle juste ici. Elle est vraiment très très cool. Et aussi de vous abonner juste en haut là. Allez, on s'abonne. C'est parti. Tu peux t'abonner et aller voir la vidéo ici. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le like si cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez un épisode 2 avec vraiment des méga bulles. Mais vraiment, genre, on achète un truc qui peut faire des bulles comme ça. Voilà, on est chaud, je vous le dis. Je vous dis à la prochaine, c'était Pika. Peace.